Hey, salutations tête de naze, c'est moi le chef. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler d'une de mes grandes passions, les jeux mobiles et surtout les RPG sur mobile, Android, iPhone, etc. Et aujourd'hui, on va parler de Unison League. Unison League, oui, tu as bien entendu. Alors pourquoi je parle de jeu-là en particulier? Parce que en ce moment, sur ce jeu, il y a une collaboration avec Fairy Tail en cours. Alors qu'est-ce que ça veut dire la collaboration? C'est-à-dire que tu vas pouvoir croiser, looter même des personnages de Fairy Tail, notamment Banatsu, Lucie, mais surtout Erza, par exemple, la farouche guerrière avec des attributs qui ne laisse personne de marbre. Et aussi, en plus, si tu commences le jeu dès maintenant, tu recevras le truc super rare, Happy and Blue, UR, ultra rare, ça veut dire. Donc moi, à ta place, je te montre les images en même temps que je te parle. Moi, à ta place, je m'inscrirai tout de suite. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de découvrir un petit peu ce jeu, te montrer un peu qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que tu peux faire dedans. Et on va regarder un peu le côté Fairy Tail aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse. Ouais, donc c'est parti mon kiki, let's go. Ouais. Alors c'est parti pour Unison League, voilà, vous voyez, la collaboration en cours avec Fairy Tail est déjà annoncée. J'ai envie de te dire, voilà, très bien, commençons. Et c'est parti pour ce petit gameplay des familles. Alors qu'est-ce que ça donne ce jeu? Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mon personnage. Voilà, il a des armures un peu cheatées, des armes un peu cheatées. On va aller jeter un coup d'œil à l'équipement. Alors faut savoir qu'il y a plusieurs classes disponibles, hein, comme vous pouvez le voir. Alors il y a la classe soldat qui peut évoluer jusqu'au paladin. Il y a la classe lancier, il y a les archers, il y a les mages, il y a les clercs. Moi j'ai pris un soldat parce qu'au fond je suis un soldat. Je pense que je suis un peu un soldat, puis j'aime bien le côté, je me tape à l'épée, moi je kiffe. Alors évidemment, aussi dans le jeu, tu peux avoir des invocations. Des invocations, donc à quoi ça sert? C'est-à-dire que quand tu balances ton attaque unisson, hein, on va voir ce que c'est très vite, eh ben, on peut... Zut, là je me trompe de bouton, mais t'inquiète, on va trop... Voilà. Ici, on est... Voilà, comme vous pouvez voir, moi en fait, comme je te l'ai dit, je me suis connecté durant l'événement, j'ai eu l'UR, Happy et Plou, très rapidement, gratos, comme ça. Donc j'ai déjà mon invocation quand je fais mon attaque, ça va être Happy et Plou. Donc maintenant, je te propose de qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ça va être de. On va essayer une petite quête. On va essayer une petite quête, pourquoi pas? Moi je suis chaud. Ah, peut-être pas une quête tout de suite. Là tout de suite, on va aller invoquer des personnages. On va aller invoquer. Moi j'aime bien invoquer, on va dans l'autrie. On va loquer. Là, il y a un portail Fairy Tail. Allez, on va se tenter une petite loterie pour choper un perso de Fairy Tail. Alors, c'est parti. C'est parti, on tente. C'est parti, je tente. Let's go, Marie-Jo. Voyons voir ce que ça va donner. Allez. Un perso de Fairy Tail, s'il vous plaît. C'est pas du Fairy Tail, mais il est stylé. C'est pas du Fairy Tail, mais il est stylé. C'est pas du Fairy Tail, mais il est stylé. C'est toujours pas du Fairy Tail. Bon, ben, les invocations, ça n'a pas été méga concluant pour moi. Pas de chance, j'ai pas réussi à dégoter deux persos de Fairy Tail. Mais c'est pas grave, parce que, comme je te le disais... Vu que je me suis connecté en temps et en heure lors de la collaboration, j'ai eu droit à Happy and Blue en ultra rare, en invocation. Donc ça c'est bien, donc j'allais pouvoir les tester lors d'une petite quête. On va voir qu'est-ce que ça donne. On y va tout de suite maintenant. Voilà, avec mon armure pimpée, je fais une quête. C'est parti, quête principale. Il n'y a pas de lézard. Allez, prochaine quête, faire une quête maintenant. C'est parti mon kiki. On va voir c'est qui les boss du game. Voilà, il y a ma guilde qui va arriver. Faut attendre que ça charge 2 minutes. Boum! Voilà! Oui, parce que dans ce jeu, tu peux rejoindre des guildes, former des guildes. Du coup, chaque fois que tu fais un combat, tu joues avec tous les personnages de ta guilde. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Hop, les premiers ennemis. Hop, comme ça, une petite attaque. On n'en parle plus là. Le but, c'est de charger la barre d'unisson pour pouvoir balancer le méga combo. Et là, invoquer ton esprit de Fairy Tail, Happy and Plou. C'est ça le délire. Alors, bah moi je vais charger la barre d'unisson en faisant un appel. Ce qui va charger la barre d'unisson de tous les protagonistes. La barre d'unisson est pleine, je la conserve pour le boss. Pendant que mes coéquipiers
s'occupe du nettoyage du terrain. J'ai pas eu le temps de balancer ma petite attaque. Les coéquipiers ont fait le taf. Donc il y a pas de problème. Et on arrive au boss. Il est tout gentil, il est tout mignon. C'est une espèce de petit écureuil vert chelou. Et ben je lui balance l'unisson parce que moi j'ai pas le temps. Allez, happy and blue là. Voilà, alors l'unisson c'est l'attaque combinée où tout le monde invoque son esprit et puis blablabla. On défonce le boss. Voilà, happy and blue qui balance leur petite attaque. Oh là, ils sont coquins, ils sont mignons. Badaboum. Badaboum. Unisson d'attaque. Oh, attention, on a un deuxième level d'unisson. Là, ça commence à être balèze. La grosse bouboule. Et le boss est... Le boss est vaincu. En une attaque d'unisson, on a vaincu le boss. Si ça, c'est pas merveilleux. Si ça, c'est pas beau. C'est génial. Voilà. Quête terminée. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Et ben voilà, hein, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'avait à offrir un petit peu ce jeu Unison League. Donc j'espère que je t'ai donné envie de le découvrir et d'y jouer. N'oublie pas qu'en ce moment, gros partenariat, grosse collab avec Fairy Tail. Donc si t'aimes bien Fairy Tail, si t'aimes bien les RPG, si t'aimes bien les trucs avec des guildes, et ben tu joues à Unison League. Voilà. Et moi j'ai plus qu'à te dire, n'oublie pas, parce que c'est très important de ne pas oublier ça, la passion n'est jamais finie, parce qu'elle est infinie. Tous les liens sont dans la description. À bientôt. Peace.